Je suis Polar Crane, best of the best. C'est Days, Agara Binan, Yogasu, Lapa. Yo, yo, Bina Aron, no Buza Buna. Ale Bina Aron, no Buza Buna. Ale Bina Aron, no Buza Buna. Ale Bina Aron. Mamba Brazzaville, on aura la ma connexion, mon boya manager, on a Christian Matondo, on a Christian Lepira. Christian Matondo a Zucop, Némoro Buena Braza avec ses connaissances par rapport à la venue de Niska, un grand artiste Niska qui vient de France, natif de Brazzaville, donc disons originaire de Brazzaville. Fabet a concert qu'on a bamilobel. Non, il faut qu'on fasse des gens, on fasse appel des gens qui peuvent venir bouger le public aussi pendant l'événement et tout. Baboule Gezman était. Agara Binana. J'ai la phobie de l'eau. J'ai vraiment la phobie de l'eau. Mais je sais des fois cacher ma peur. J'y suis allé, Togomi Bela Braza. Déjà parti à la beach, non, on a déjà que non, quelques personnes me reconnaissaient déjà, quelques personnes disaient bien, on aime bien ta musique et tout. J'étais pas inaperçu, j'étais très content, mais c'est pendant le concert que j'ai compris que Braza m'aimait beaucoup. On a annoncé qu'il y aura des gens qui vont prester. Pendant qu'ils ont dit il y aura telle personne, le public était tout calme, et quand on a dit il y a Gezma, où était le public a ovationné à un point, j'ai eu des chairs des poules. Ils ont réagi à toutes les chansons, ils ont chanté avec moi, Pika, ils ont chanté avec moi, Nkola Zoba, ils ont chanté avec moi, Italingati, ils ont chanté avec moi tous les titres que j'avais eu à prester là-bas. J'ai fait ce que j'avais à faire et puis après nous on appelle Akin. Nyonso oyo eza makambu ya Pigma na Vodacom. Ba mesani singa chaque semaine faut oyemba chaque semaine il faut sala ka makambu et tout. Compétition s'il est raté après 2 mois et vidé là on a fana na pale. Tiens, quel signe. Eko Simba te, organisation wana mai Simba koto benda koto, to che bambunda na biso wana ba nini, to bando répéter chaque jeudi. Mais bah tu fais pas y rappeler bah mon rap, parce que ça fait toujours plaisir de voir la famille, les frères, les fans, tout le monde a le droit de venir le jeudi à ma répétition. Et yenda ka tous les jeudis na biso na ça va prime na. Una skwele ni amweza ni, una isha kabala zate, una Philo Azate, Kuna Nathalie Makoma Azate. Non, je suis libre de faire ce que je veux. Et bonga, et beba, j'ai une raga public. Bon, on est au tes places ou bien tes bongis. Alors, ils ont répété, ça fait zénith, c'est tout bandé, la rate bongis. Non, ils ont un rep. Mais, il y a un placement au tchara, moi, souma, pas de voir. Kota, la loyenge, Kuna, la barrep, tant aux autres bois, tant aux autres mina. Non, vraiment, je suis chanteur, animateur, chorégraphe, tout. Je montre tout mon talent. Et des fois même, j'ai fait la comédie, même les blagues. À vrai dire, moi, j'ai pas eu de gens, des mentors, je sais pas moi qui, ou à Foulang, mais c'est pas tout le monde qui a eu ça. Il y a des jeunes qui aimeraient aussi avancer et avoir de la lumière, mais qui n'ont pas les mêmes opportunités que moi, ni les mêmes capacités que moi, mais qui ont quand même un talent qui équivaut au mien. Donc, j'essaie de leur donner de la lumière, de leur donner de l'espace d'expression pour que bah, on peut baser le temps et on sait la carrière en abattant peut-être un peu plus facilement que moi, j'ai eu. Raison pour laquelle dans mes répétitions, j'invite toujours les talents. En fait, il y a mon bassiste qui m'a une fois envoyé une vidéo sur WhatsApp. Il est en train de filmer une très jolie fille, une très gentille fille, très intelligente, en train de me dire qu'elle m'aimait beaucoup et qu'elle aimait beaucoup ma musique. Chez eux, il y avait beaucoup de fans. Elle avait beaucoup d'émotions quand elle parlait. Je me suis dit, tiens, je vais chercher à la voir. Je suis allé une fois chez elle. Malheureusement, je n'ai pas pu la voir pour des raisons que je n'ai pas compris non plus. Mais après, on me l'a emmené à la répétition.
Elle n'était même pas au courant qu'elle allait me voir. Et elle était vraiment émotionnée, elle était très émue. Elle m'a montré qu'elle aimait ma musique, elle aimait ma personne, elle aime son artiste et elle l'a montré sans avoir à cacher quoi que ce soit ou avoir honte de quoi que ce soit. Je porte cette fille vraiment à cœur, c'est l'une de mes fans les plus privilégiées. Le futur nous réserve encore plus. Ready?